Allez, on va se faire une petite session Gunfire Reborn. Et on va taper du mob. Piu piu. De ça. Piu piu. C'est rien qu'à force de vous voir jouer, je viens de le prendre. Eh ben, si tu veux nous accompagner? Bah oui. Je dois l'avoir. Si tu l'as lancé, est-ce que je l'ai, Shinra, quelque part? Normalement oui, alors, je crois. Si tu l'as pas, moi je l'ai. Faut juste voir si. Je le vois pas dans la liste. Ah, il en a pour 10 minutes. Il en a pour 10 minutes de DL. Bon, d'accord, bon, on fait une run et puis il nous rejoindra après. Oui, voilà, bah, le temps de la run, après tu. De temps qu'il s'installe. Ouais, bah, 2 minutes. Tu go dans général et on te glissera. Ouais. Oui, voilà, ouais. Nous, on va se faire une petite run et puis voilà. Oui. On va sûrement mourir très vite. Il faut que je apprenne comment ils fonctionnent. Oui, moi aussi, parce que moi, je connais pas son pouvoir. Alors. Parce que moi, j'ai l'habitude du. Oh, direct, il me donne le gros hippopotame. Moi aussi. Ah ouais, non, il y a mieux. Hein. La frappe foudroyante d'entrée de jeu, quand même. Moi, la frappe foudroyante, je l'ai pas. Alors, attends. Oups. Recherchez-la. Et le 9, ça fait quoi, moi? Attends, si je regarde mon pouvoir. Non, mon pouvoir, pardon. C'est mon pouvoir du personnage. Pistolero. Maintenant, deux armes. Ah oui, c'est ça, c'est que j'ai deux armes en main. Oui. Alors, par contre, c'est forcément l'arme de... Décide de pouvoir utiliser les armes 1 et 2. D'accord. Ah, il faut des armes. Ouais, il faut des petites armes. C'est ça. Faut des armes en 1 et en 2. Parce que en 3, l'arme illimitée n'est pas considérée dans la Kimbo. D'accord. Toc toc, bonjour, y'a du monde? Oui. Et puis en plus, y'a qu'un mob, c'est rare. Ouais, bah. C'est très pourri même. Magical Feathers or. Bonjour, y'a du monde? Oui. Bon, il va falloir que je teste la Magical Feather, hein. Bah! Oh, ça fait mal! Ah oui, bah ça a l'air d'être assez bourrin, mais c'est corps à corps le perso. Ouais, et par contre, ce que je ne sais pas, c'est l'armure, comment elle se recharge. Ah voilà. Bah comme ça. Donc tu en tapes. En touchant avec l'ulti. D'accord. Ah ouais, c'est vachement mieux les grenades là. Bonjour. Tiens. Oh non, j'ai looté une arme. D'étoiles. Donc là, ça veut dire que je peux utiliser les deux en même temps. Oui, d'accord. Ouais. Ça va être n'importe quoi avec ces deux armes en même temps. Tu vois. Mais pourquoi tu... Ah oui, d'accord, il y a un bouton pour l'une et un bouton pour l'autre. Ok. Énorme. Et ça dure combien de temps? Un certain temps qui peut aller de pire en pire. D'accord. Ouais, mais oui, d'accord. Ça, il m'a rendu le... Ok. Alors maintenant, deux armes PV max plus 50. Plus 30. Pour tuer un ennemi ou détruire un objet, dégâts d'armes et d'explosion plus 50%. En deux armes, dégâts d'armes plus 100%, mais consommation de munitions doublée. Oh, plus de grenaille, c'est bon ça. Après un bon, plus 75% de dégâts d'armes et de compétences pendant 2 secondes, régénère 20% de bouclier à chaque ennemi tué. Et réduit de 1 le temps de recharge du bon pendant ce laps de temps. Fetch ! Ah oui, non, je prends le bon. Ça, tu vas devenir bourrin. Il a l'air d'être complètement bourrin, ce perso, quand même. Ah oui, c'est un corps à corps, hein. Ça oh, se voit. Coffre maudit. Ouais. Bah ! Oh mais le coup de griffe que tu lui mets dans la tronche. Alors donnez parchemin aléatoire. Oh, parchemin. Ben, parchemin hein.
Double capacité de munitions. Trame élémentaire légendaire. Les dégâts élémentaires occasionnent toujours un effet élémentaire dans les 3 secondes qui suivent un changement d'arme. Il est cool. Je l'ai tout le temps celui-là. Il y a deux armes qui ont looté. Il y en a une, c'est moi qui l'ai, lâché. D'accord. Et on a un colporteur. Hein, en effet. Et il y a de la vie. Allez voir le colporteur. Ah, il a l'arc doré. Ah non, pantalon de course avancé normal. Ah, il me manque beaucoup de sous, une centaine. Bah, il me manque des thunes aussi, donc. On fera un champ qu'on va faire un demi-tour. Ouais. Alors moi, il va falloir que je recharge ma... Qu'il est... Coucou ! Non, c'est moi qui l'ai eu avant. Tu l'as buté avant que je le touche, j'ai pas pu régénérer. Désolé. Très bien. On a combien de thunes ? On n'a pas assez, zut. Ouais, non, ah si, j'ai assez, c'est bon. J'ai assez, là. Alors après, on a perdu 25% de PV max, immunisé aux dégâts normaux pendant... Moins de 10% de dégâts, dégâts explosifs, plus 30%, et confère une immunité personnelle aux dégâts explosifs. Zone du défait des dégâts adjacents. Quoi ? Dégâts explosifs plus 30% et confère une immunité personnelle aux dégâts explosifs. Oui. Mais c'est n'importe quoi ! C'est complètement pété. Mais c'est n'importe quoi ! Attends, moi j'allais chercher mon pouvoir, moi. J'ai pas assez de thunes, ça m'énerve, je peux pas acheter l'arc. Parce que ma ruée va se recharger 50% plus vite. Ah, je peux pas acheter l'arc, quoi. 210, il coûte. Moins 50% de temps de recharge de la ruée, mais ça c'est game breaker. Alors moi je me déplace mais alors lentement, mais très lentement. Par contre, c'est même pas augmenté, hein. C'est des déplacements de base du perso. Ouais. Ah putain, tu pourras pas le récupérer vu qu'on change de zone. C'est non, dégueulasse. Dommage. Moi j'ai du bois. Ouh, ça sent une zone avec vague de monstres. Si tout mâche. Ok, c'est de... Ah bah attends, je vais régène sur les... Ouais. Sur les petits machins. Je t'en laisse quelques-uns. Attends, mais regarde. Je vais dégommer les mecs en vague, là. Bim. Voilà, comme ça, tu vas pouvoir récupérer les petits machins. Sauf si je les tue avant. Allez, coucher. Oh, il y a un arc-en-ciel qui a droppé, là. Je snipe avec l'arme là. Y'a du monde, fais gaffe. Oui, bon. Attention, t'en as un là-bas si tu veux, là, y a quasiment pas de points de vie. Mais je suis déjà full en fait là. Il se recharge vite ton ulti ? Ouais, relativement vite en plus. Putain, faut qu'ils arrêtent d'esquiver là. Allez, dites bonjour ! Ah, tiens, bouffe. Ok. Oh, il y a une petite arme. Aura venimeuse ou arc-en-ciel 2.
Ah, aura venimeuse, je veux bien que tu... Tiens. Pour voir à quoi elle ressemble, là. Et le coffre ah, est là-bas. Dommage. Alors, manière une arme plus 50, plus 2, 30% de ne consommer avec une grenade. Dégâts feu, c'est les grenades et les armes explosives n'affichent des dégâts qu'un seul. Plus 50%. Ouais, plus 50% si les grenades et les armes explosives n'affichent des dégâts qu'à un seul ennemi. Je veux des bazookas. Ça, cool, je veux l'os, le crâne d'os. S'il vous plaît. Contre le boss, ça va être énorme. Tu veux le crâne d'œuf hein. Ouais. Non, ou le bazooka. Hein. Contre le boss, ça va lui faire tellement mal. C'est où aïe, la suite? Aïe, 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 le bafoka. Ah, d'accord, ah, non, on passe, en fait, on passe direct. C'était la dernière salle, en fait. Ouais. Attends, j'hésite. Non, l'arc-en-ciel. C'est celui que j'ai, l'arc-en-ciel. Hop. C'est ça, c'est l'arc-en-ciel, ce que j'ai. Non, non, c'est Hurleur 2. L'arc-en-ciel, il fait quoi? Juste pour voir. Ah, c'est lui qui... D'accord. Non, je vais garder ce que j'ai. C'est pas mal. Surtout que là, l'arme, elle est explosive, là, celle que j'ai, le Hurleur, donc... Oui. Donc c'est intéressant, ça va être intéressant quand je viserai le boss. Événement de défi. Je suis plus pour la régène, les mecs. Yeah. 1200, la grenade. Bonjour. Oh, volonté libre. Plus 3% de dégâts d'armes tous les 100 de cuivre. Ah, c'est cool. Lol. Ne consomme aucune munition dans les 2 secondes qui suivent le meurtre d'un ennemi ou la destruction d'un objet. Ah, l'aura venimeuse perce armure, ça c'est cool. Ça chauvage plus 2. Tiens, crève. Hein. Allez, fais A, que je te tue. Oh putain, j'ai plus de vie. Ah, et puis là, t'es en plein milieu, je vais avoir du mal à te ressusciter, là. Essayez. Aïe, 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 aïe. Non, non, ils m'ont loupé. Bon, t'avais le mur pile poil bien placé, pour. Mais pas là. Ah, putain. Encore tombé? Non. Ça va encore. Ah, mais sérieusement, le tir qui allait me chercher derrière le pilier, quoi. Aïe. Merci. Ah, mais sérieusement, il a bloqué mon coup de patte. Hein. Ils sont où? Bonjour. Je croyais que j'étais immunisé aux explosions, moi. Ah, merci. Ah, mais il est à côté de moi, lui, d'accord. Je prenais des dégâts depuis tout à l'heure. Ah. Moi, je pense que ça va être difficile, là, de me relever. Putain, je l'avais pas vu, je me disais, merde, je prends des dégâts. Non, c'est pas grave, je vais ressusciter. Sinon. Ouais, bon, je vais ressusciter, c'est bon. Non, laisse tomber, t'aurais pas eu le temps. Ah, non. Tu es où? À côté de toi, en haut. Où il est encore là, lui?
Ok. Alors, sentiment. Non, le feu, ça sert à rien contre le premier boss. Oh! Tu le veux? Tu le voulais? De quoi? Sentiment? Regarde ça. Et en plus, il a un dégât de feu. Oui. Bonjour. Tu veux ça, toi? Merde. Sinon, je t'ai mis visible. Dégâts d'impulsion lors du dernier tir du chargeur. Quantité de grenades transportées. Change de ne pas consommer qu'une grenade dans l'encens. Après avoir perdu 25 d'immunité, je vais prendre ça. La chance de. Où ça? Il était où? Ah bah, il est là. Moi, ça, allez, hop. Y'a rien d'autre qui est tombé, qui a looté. Où projectile plus 0,2. Non. Parce que là, c'est boss, là. Attends, on s'est tapé deux salles à vague, quoi, non, d'affilée. Non, j'ai un perce-armure sur l'aura venimeuse, là. C'est bien ça. Bah, pour le moment, c'est vrai que je regarde pas trop les trucs pour le. Sur la première, on va dire la première zone, c'est pas très grave. C'est la deuxième où là, il faut commencer à avoir des trucs de ouf pour buter les mecs. Qu'est-ce que tu proposes, monsieur? Amateur de corrosion, infliger l'effet d'affaiblissement à des ennemis, l'applique également sur vous-même. Un talent de course avancé, je prends. Non, je pense que je vais booster Dragondos. Oh, mais il est tout petit, frappe foudroyante. Il faudrait que je récupère une version. Ah oui, elle est plus zéro. C'est ton truc de base. Ouais. Non, j'en trouverai une meilleure. Je vais plutôt monter les Dragondos. Elle va juste servir à tomber le bouclier au début et puis c'est tout. D'accord. Aïe, pourquoi moi? Aïe, t'as one shot? Ah, il a one shot avec un tir au point. Regarde les dégâts que je lui fais avec le dragon. Dragon d'or, j'ai plus 50% de dégâts dessus. MPV! Merde, putain, j'étais derrière le truc! Je suis derrière le pilier, si tu me cherches. Je peux pas raise. Allez hop! J'ai... Aïe! Fais gaffe qu'il n'y ait pas un truc qui te. Non, c'est bon, je l'ai buté juste avant. Ok, parfait. Ouais, régène-moi. Oh putain. Là, ça va être chaud là. Faut se ressusciter. Faut que j'arrive à caler sous derrière. Aïe. Non, là, je vais avoir du mal là. J'ai la barre qui fuse. Ah, je peux pas, il est sur toi donc. Je vais pas pouvoir. Ouais, ça va être dur tout seul, je pense que c'est mort. Non, surtout qu'il y a les petits merdeux qui sont là. Et puis ça t'a pris corrosion et tout le temps de soin dans la poule. Ouais, mais là ça va, il se met en mode casse-couille seulement là-haut. Thank you.
Par contre, c'est pas drôle, il n'y a pas le dégât collatéral pour les boss et les autres. Putain, pour esquiver ça. Non, mais là, je vais rien pouvoir faire. Là, il y a trop de. Les petits mobs vont m'emmerder. J'arrive même pas à lui tomber son bouclier. Là, il apparaît, Jeanne. Tu vas voir les petits merdeurs en boucle. Hein. L'esquiver ce truc, c'est nul. Si t'as pas la triple esquive, tu peux esquiver son attaque. Ah, j'ai plus de mun. Non, c'est bon, je suis repassé en mode. Ah, l'esquive qui est pas parti, qui a pas rechargé assez vite. Bah, tout seul quand il a le multiplié par deux les points de vie, c'est ah, pas non, la peine. Ça pique. Ah, c'est bien que je vais avoir des points. Ah non, c'est vrai que je les garde, ouais. Les essences. C'est vrai. Si je les dépense pas. Je peux pas lui. Voilà. Ah, je peux rien monter, donc ah si je peux monter ça. Ah, Chine est là. Ah ben on va le. Ah mais attends, il a. Ah mais d'accord, il a un ulti. D'accord. C'est bon, il est DL. Ça y est, tu l'as, c'est bon. T'as vu, ça a pas duré longtemps. est-ce que je t'ai dans la liste? Ah mais c'est bon, tu l'as dû inviter. Ok. Bon, j'espère que t'es bon, hein. Ouais, je viens juste de faire une game, mais... il est pas ta boss. Ouais, mais c'est normal, en même temps, niveau 3... Ouais, j'étais niveau 1, hein. J'ai pris deux niveaux. Je suis presque arrivé au boss du premier niveau. Ouais, non, mais c'est... Oh, t'as... Oh, moi, j'avais réussi, premier try, premier boss, je l'ai eu. Bon, je me suis rétamé à la zone des derrière. Ah bah en même temps, tu regardes, je tu regardes la puissance donc. Juste derrière. Donc... Oui, non mais je sais, je plaisante. Moi j'avais déjà vu une vidéo, donc je savais à quoi m'attendre. Donc c'était plus facile. Ouais, mais... moi j'écoutais surtout. Ouais, bon, bah, de toute façon, moi je peux pas l'utiliser ce truc. Alors, Eh ben... Oh, dévoreur d'étoiles. Pas beaucoup, mais munitions cachées va être utile. Bah, dévoreur d'étoiles avec dégâts électriques, je crache pas dessus. Faut que je baisse le son, il m'a explosé les oreilles. Qui ça? Ah bah ça, le oui. Le son du jeu. Ah oui. Et puis pourtant, non, je l'avais vraiment baissé à fond, quoi. Ouh, oui. Et sinon, il y a le micro intégré. Oh, triple remontée. Oui, tu as débloqué beaucoup d'armes au début, toi. Oui. Ah, munitions, zut. Ah yes. Là. Ouh, Argus. J'ai yes. flamme perforant, oh j'ai le sniper. Oh, oui. J'ai le snipe. Oh, mais ça a l'air bien ça. Alors, lance deux grenades pour le prix d'une. Après avoir tué, après avoir infligé. Oh, les ennemis infligent 50% de dégâts. Je vais prendre explosion. Je vais jouer grenade là. Mais grenade fumigène, ouais. Ah, alors toi, sur toi, c'est les grenades, elles sont pas mal parce qu'elles régénèrent le bouclier. Au bout d'un moment, à chaque fois que tu vas en lancer une, elle va te régénérer le bouclier. Oh, t'essayes bah, de monter, c'est ça? Ouais, je voulais monter parce qu'il y avait de la lumière là-haut, mais en fait, en pétant, il y a un mur invisible. Dégâts d'armes plus 35% lors d'un tir normal. Bah oui. Attaque préventive. Ouais, il y a des murs, on peut pas grimper. Tir, ma chargeur plus 50%, mais c'est bien. Ah bah ça, tu fais ce que tu veux. Moi j'ai le sniper. J'ai un flingue et j'ai un truc qui ressemble à un lance-roquette. Ah ok. Ah oui, bah c'est un lance-roquette. Ouais. Alors fais gaffe aux tonneaux. Parce que la plupart des tonneaux peuvent exploser. Oh, on a un coffre maudit ici. Ah, tiens. Ça qui est normal. Ah, merde.
Chambre fort. Ouais, les paquets normal aussi. Ça fait quoi le paquet normal? Oh, j'ai eu. En vous déplaçant, plus vous bougez vite, moins vous subissez de dégâts. Courant d'air. Ok. Il est déjà allé dans l'autre zone, il doit s'emmerder. Oui, en fait, je me suis planté, j'ai ouvert le portail et je me suis déplacé sans le vouloir. Que j'avais pas vu que c'était une zone. My bad. Pas grave, c'est pas grave. En fait, la zone, tu le vois parce que t'as un petit symbole qui t'indique. Va dans l'autre zone, parce qu'il y a un. Oula. On va attendre avant. T'ailles dans l'autre zone. Ouf. C'est trop quête. Il y a un coffre-fort là sur le mur. Allez, deux grenades dans sa mouille. T'as aimé? Ouais, ah, dans, dans l'autre salle, il y a. Ouais. Munitions cachées et dévoreur d'étoiles. Ouh, il y a une double arme, c'est cool ça. C'est pas mal. 50% d'armes contre les élites et les boss, c'est bon ça? Ah bah bien sûr. Mon, mon arme, c'est de la merde en plus, ça tombe bien. Compétence d'arme, l'arme lance pour créer une explosion, la munition cachée. Ah bon? Ah, oui, attends, il y a un secret là. Oui, attends. Oui. Va d'abord récupérer le coffre. Viens ici, t'as le coffre ici. Ah oui. Récupère d'abord ce petit coffre où n'est. Alors, donner 90. Normal. Paquet simple, normal ou somptueux à 200. Je peux filer celui à 200. Ah bah vas-y, prends. Et tu vois ce que ça va te donner. Tiste juste. Tous les 5 tiers, la prochaine balle inflige 50% de dégâts supplémentaires. Ça c'est violent ça. Bon ça. Oui. Bon, allez, hop. Secret. Oh, elle est bien celle-là. Y'a le TK ou pas? Parce que je... Non, y'a pas. Heureusement, ouais, parce que sinon je te dis pas, on se crèverait tous ensemble. Ouais, elle est magnifique cette arme. Celle que j'ai, elle est bien, mais ça rebondit dans tous les sens. Ça a l'air sympa comme arme, ça. Qu'est-ce que c'est? Laquelle? Ah, t'as une nouvelle arme. 40%, plus 40%, 50% de dégâts contre les ennemis sous effet de choc. Projection plus 0,2. Oh, ah oui, les petits pains régènent 100%. Yes. Gants brutaux, dégâts d'armes et de compétences, plus 35% lors d'un tir normal. Donc on fait tout le temps des tirs normaux. Ouais, y'a une arme là. Non, on la voit pas, fais V dessus. Ouais, fais V pour la... Pour nous la montrer en fait. Ah mais oui, en fait c'est parce que c'est lui qui l'a droppé, c'est Aura Angélique. Oui. Bah ça peut être pas mal. Elle est pas dégueu hein. Oui, mais on a mieux. je préfère mon petit bratata, mon petit flingue bratata. Oh attends, y'a munitions cachées. Ah oui, dévoreur d'étoiles, c'est ce que j'ai posé. L'aura venimeuse est pas mal. Mais j'ai les snipers donc... On va garder les snipers. Ah. Ah. Aïe. Pourquoi je prends des dégâts? Grenade. C'est ça qui m'a tué en fait sur la première... C'est quoi ça? Réserve de balles. Toutes les munitions ramassées sont converties afin de répondre à l'arme utilisée actuellement. C'est bon ça. Oui, j'ai débloqué le truc. Ok, alors. Dégâts de grenades fumées, voilà. Plus 300%. Ah, bomber fou, c'est bien. J'ai un bomber fou et je lance deux grenades à la fois. C'est bien, non? Maintenant, ici. Ah bah. Attends, plus 30, oui. Plus 30 de bouclier max pendant 6 secondes. C'est la zone avec les boulets. Ouais. Non, on parle pas de toi, Shimra. Oui, on est dans le truc violet. Alors, il va falloir que tu fasses de l'esquive, là. On prend pas le secret. Parce que sinon, ça va augmenter le nombre de boulets, ça va pas être terrible. Aïe. Ah, t'y allais, toi, c'est ça? Ouais. Salaud. C'est pour ça que j'ai pris des dégâts. Parce que ça a augmenté le nombre de boulets. Aïe. Et voilà, et on va pas pouvoir t'aider. Putain de... Mais putain, regardez, je suis coincé. J'ai pris cher. Je peux pas avancer. C'est ta faute. T'as dit de pas y aller. Alors, le premier tir d'un chargeur inflige 50% de dégâts. On peut
faire l'immunité aux dégâts de foot pendant 2 secondes après avoir subi des dégâts. Attends, la première balle d'un chargeur inflige 50% de dégâts. C'est une arme qui a qu'un seul. Donc je fais 50% tout le temps avec ça. C'est alors moi j'ai éclat de foudre. Je subis moins de dégâts. Enfin, j'ai immunité aux foudres, mais je subis 50 dégâts du reste. Heureusement que je suis allé chercher l'autre parce que. Ne prends pas. Bah alors ouvre ton inventaire et tu peux le dropper. Alors. Tu appuies sur tabulation. Oui, j'y suis. Voilà, c'est parchemin occulte et tu cliques droit pour le retirer. Okay, et tu vas le poser au sol en fait. Alors. Parce que là, le problème c'est que tu vas prendre des dégâts de tous les autres éléments, c'est même pas la peine. Surtout en plus, si t'as pas une arme foot, ça te sert à rien. Voilà. Voilà. C'est le problème, c'est qu'il est un petit peu maudit le machin, donc. Ah oui, ouais, quand tu sais pas. Ouais, faut éviter en fait, parce que te prendre des dégâts de tous les autres éléments, laisse tomber. Hein. Mais bon, c'est gentil ça. Il y a un coffre maudit hein, derrière. C'est quoi? Ah oui, c'est... Non, lui, c'est pas ça. Où il est, ton coffre maudit? Non, t'inquiète, attends. D'abord fini... En général, ouais, finis d'abord tous les... On va d'abord finir la salle. Voilà, tu finis la salle, là, on l'a fini, c'est donc c'est bon. Fait. Donc là, on a terminé la salle, et là, tu peux, après, il y avait... Gros, là, y avait ouais, mais là, ici. Ah oui. Discussion. Alors, parchemin obtenir maudit. Un parchemin maudit, obtenir un parchemin occulte précieux. Ah. Allez, je prends. J'ai... Pareil, je suis à vide. Ah, coque noire. Parchemin maudit. Fontaine de vie, rend un PV en ramassant du cuivre ou des munitions. Occulte. C'est bon, ça dommager. Ah, coque noire, les colporteurs sont 20% plus chers. Mais j'en ai pas eu d'autres, en fait. Ah si, trafiquant d'armes, maudit. Les améliorations d'armes de l'artisan sont plus chères. Ah. Ah, double tranchant. Ouch. Ouais. Aïe, qu'on fait un de dégâts et celui 0 de dégâts. T'es chié juste avant là. elles sont pas plus chères, elles sont aberrantes. C'est 1000 pièces d'or. L'amélioration. J'ai 100 pièces d'or ou 200 pièces d'or. Mais moi c'est 1000 le boost d'une arme. Donc en gros, j'ai pas boosté mes armes de la partie. Et on peut pas le dropper. Non, parce que c'est un maudit. Donc il faut rappeler le parchemin qui... Il permet, ouais. Donc je vais jamais booster mes armes. Moi, je vais tout le temps rester derrière parce que je n'ai plus de PV. Ça, chauvage ou ça... Aïe, quel con. Alors, oublie pas que t'as ton bouclier qui régénère. Oui, mais j'ai mon bouclier, mais j'ai genre 2 PV, quoi. Oui, mais ça, c'est pas grave, ça. Donc il tombe pas. Bah ah non, toi tu viens là. Tiens, crève. En intérieur, cette arme elle est énorme. Faudra que je la change après. Ah bah, j'avoue. Celle que là... j'ai le. Tiens, si tu veux te soigner ici. Tu parles au gars et tu peux prendre de la bouffe. Non. Récupérateur de munitions. Octroie une munition aléatoire à chaque mètre parcouru. Ah bah, je vais le prendre. Sans moi, je vais prendre que. Le temps de recharge trucs, bénéficie de moins 1 en touchant un ennemi qui ne se déclenche qu'une fois toutes les 2 secondes. Ah, je crois que j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Ah, il y a des pompes là. Bon, c'est de la merde, mais. Ouais, toute crypto en 1, plus 100% de portée effective, plus 100% de précision. Ouais, je crois pas en mes flingues. Il y a un secret, hein. Ouais. Ah, j'ai pas pris mon pare-chaud. Pas non plus. Alors, après avoir tué un ennemi, dégâts explosifs et confère une immunité au personnel. Bon, moi je vais jouer grenade. Hein. Bah, moi je lance une grenade, j'en lance deux. Je lance une grenade, j'ai full shield. Plus j'ai un bonus sur l'explosif. Bah en fait, faut jouer explosif avec l'autre là. Oh, les dégâts collatéraux, ça fait tellement mal. Avec ce perso! Alors, le nombre de compétences secondaires. Remonter, ça, c'est cool. Quoi? Ah, plus 50% de dégâts d'armes lorsque vous ne disposez que d'aucune grenade. Mais c'est quoi ça? Le nombre de compétences secondaires transportées est doublé.
Ah ouais. Comment je peux être limité en compétences secondaires? Ben, les compétences secondaires, je ne sais pas ce que c'est au final. Mais c'est pas les trucs tir, vétéran, etc. là qu'on a? C'est pas les compétences d'armes. C'est l'ascension? Mais non, ça c'est l'ascension. C'est, j'y ai pas Attends, le nombre de compétences secondaires. La compétence secondaire, c'est... Ah, c'est pas les trucs de... Non, c'est pas les trucs... Bah, j'allais dire, c'est peut-être les trucs d'ascension, mais... Non. Bon, il les a peut-être pas déjà... pas encore débloqués. Je sais pas. Parce que c'est vrai que ça en parle souvent de ce truc-là, mais j'avoue que je sais jamais ce que c'est, ces trucs pareil, secondaires. Je... Aucune idée. Oui, il a droppé un truc, lui. Une arme. Oh, et bien, une hurleur. Un snipe. Tiens, je vous laisse un snipe, les gars. Je préfère avoir... Bah, il y en a deux. Alors, moi, j'ai ça. Ouais, je préfère le... Bah, moi, faut que j'ai des trucs explosifs, c'est mieux. Ah, j'ai plus de dégâts. Qui a pris l'orange. Flamme perçante, vie ici. Merci. De déclencher une explosion infligeant des dégâts corrosifs sur un ennemi. Projectile en recharge. C'est bien, il est bien. Mal. Qu'est-ce que c'est ça, viser. Ah oui, c'est le auto cartouche incendiaire. Ouais. Sinon, il faudra que je vous file mes armes, vous les boostez. Et puis je vous les. Vous les rendez. Ouais, je préfère mon arme qui tire vite. J'ai déjà une... Ouh, hurleur. J'ai déclenché mon ulti comme un con. Ah, c'est le F, hein, c'est Argus. Ça, Argus. Oh, ça, hurleur. Un pivert corrosif. Ah, pas mal. Ah ben... Hop là, on va changer. Ouh, ça, elle est pas... Ouais, l'Argus, il est pas mal. C'est pas le dégâts... C'est un truc. Je l'aime bien celui-là. Argus 2, t'as plus 3 là. Toi, ça fait quoi ça? Oh. Ah, c'est ton arme à toi ça. Mais quoi? Non, moi j'en ai pas là. Oh là là, t'as tiré sur la chambre. Dans l'heure. Ah. Oh, c'est de la merde. Oh, c'est sympa, hein, c'est en plus 3, mais. Je fais tellement pas de dégâts. Je vais les récupérer mon flingue moi. Ah merde, pardon, je t'avais pas vu toi. Excusez-moi. Ah mais sérieusement, je me fais bolos. Je suis censé avoir du... Je suis censé avoir une armure. Putain d'élite. Non, il n'y a pas d'élite là pour le moment. Ah bah... Tu verras quand on en aura un d'élite. Tu comprendras ce que c'est un élite. Ok, attends, moi je vais récupérer mon flingue parce que ça c'est de la merde. Alors, 20% de chargement contre les ennemis affectés par un effet élémentaire. Ça fait pas mal ça. Y a un truc en haut. Récupère le. Oui, y a un secret. Oui. J'ai pas pris mon pare-chaud. Il y a en plus 3 de dégâts d'armes. Tous les 100 de. En maniant deux armes plus chargeur de chaque arme immédiatement, moins 50% de temps de rechargement entre les deux armes, en maniant deux armes plus 50, durée d'ambidextrie plus 50%, ouais. Alors j'ai pyromancie, source de pouvoir ou projectile énergétique. Alors. Donc ouais, ulti. Il y a eu des trucs là-haut, parce que c'est vrai que j'ai fait un carnage par là-haut. On va faire ça, hein. Écoute. J'avoue que j'ai un peu bourré niveau lance-roquette, hein, aussi. S'il y a des explosions de partout, c'est un peu... Bah, il voulait un élite. Ah bah oui. Ah. Tu vois ce que attends, un élite. Bah, j'arrive dans la zone secrète, j'étais en train de récupérer. C'est le mec toxique là-bas, non, c'est ça ou... Ah non, tu vas voir ce que c'est un élite. Il est pas encore là, l'élite. Ah ok. Putain, j'ai pris tellement cher niveau...
Ouch, oh là là. Oh, je me suis fait défoncer là. Ouais, ils m'ont mis un coup, j'avais plus, plus d'armure. Ah bah, j'ai plus d'armure et plus de points de vie aussi. Ah bah, tiens, regarde. Voilà, ça c'est un élite. Ah, yes. Mais il faut d'abord, vaut mieux tuer les trash mobs avant. Il y en a un qui tank le. Qui tank le boss, enfin l'élite, pendant que les autres tuent les trash mobs. Là c'est bon, c'est moi qui l'ai en focus donc. Oh merde, je crois qu'il a... J'ai pris l'aggro. Pas grave. Quand il charge, faut que t'esquives. Mais c'est bon, il va mourir. C'est bon, il est mort. Voilà. Et il y a des, oui, y a des points de vie. Oui, sentiment, c'est en haut, c'est la version feu. J'ai les cartouches incendiaires. Ah, le canon de tigré, le lance-roquette. Ouais. Je vais le prendre. Ah, c'est moi qui l'ai droppé. Ouais, j'en ai déjà un. C'est toi qui l'as droppé, la cartouche incendiaire. Non, c'est pas moi. C'est par boss. Contre, oui, appuie sur V à chaque fois. Ça peut être pratique. Il y a encore des points de vie, il y a encore des points de vie ici. Si besoin. Ah, mais elle est pas mal cette cartouche incendiaire. Attends, attends. Oui, mais moi j'ai looté un truc, ça a peut-être intéressé quelqu'un. Excuse-moi, attends. Ah, c'est quoi? Oh, c'est peut-être pour toi ça. Je t'avoue que la... Putain. Ah, mais oui, mais cette cartouche incendiaire 2, c'est moi qui l'ai lâché tout à l'heure. Ah. Lol. Alors, ah, tu peux en prendre qu'un seul, hein, des trois. Ouais. Alors, rend 15% des munitions dans les chargeurs toutes les 4 secondes. Votre premier achat auprès du colporteur ne vous coûte aucun cuivre. Allez, tiens, prends ça. Moins 20% de dégâts subis et plus 30% de dégâts infligés pendant 10 secondes lorsque vous consommez 100 munitions. Je laisse le consommer bah, jamais. Moi, c'est cool, hein. Mes achats auprès du colporteur coûtent 20% de plus, mais le premier est gratuit. Ah, oh, je suis deg. Plus 50% de dégâts d'armes lorsque vous ne disposez d'aucune grenade. Sauf le seul problème, c'est que les grenades, j'en ai 6. Et je les tire par deux. Et je les tire par deux. Mais t'arrives, j'ai effort considéré. Alors, j'ai. En utilisant des compétences secondaires, 50% de chance de doubler les munitions consommées. Chance de. 50% de chance d'infliger des dégâts. Sinon, j'ai plus 5% de chance de tir chanceux tous les 1% PV perdu. Je vais prendre celui-là, ça reste le mieux. Moins 5% de dégâts subis pour tous les 1% perdus. C'est de la merde. On va prendre celui du milieu. Ah, il y a des trucs des fois, ça dépend. Ouais, c'est pas. Ça a pas l'air. Bon, on va tenter le. On va prendre la compétence parce que. Ouais, non, les 100 munitions, je les enverrai jamais. Là, il faut une arme à répétition. Bon, bah, c'est go pour le boss, c'est ça? C'est ça, là, c'est go le boss. C'est ça. Google Power Rangers, comme dirait l'autre. Alors, bon, moi voilà, je regarde, là, je vais même pas améliorer mes armes, ça sert à rien. Oh! Bref, répit, confère l'immunité à tous les dégâts pendant une seconde après avoir changé d'arme. Oh oui, je prends. Et lui? Éventuellement, est-ce que ça vous dit une arme gratuite? Argus. Ça dépend, si t'as. Ouais, pourquoi pas, t'as quoi? J'ai une frappe foudroyante gratuite. Ça fait quoi la frappe foudroyante? C'est laquelle la frappe foudroyante? C'est celle qui fait le. La mitrailleuse? Ouais, c'est la mitrailleuse. Tiens, file, ouais, je veux bien. Je la veux bien, moi. Mais c'est pas ça, c'est que moi, je vais avoir une arme plus 2 grâce à ça. Oui. Parce que moi, j'ai... C'est vachement bien, en fait. Moi, je lâche ça, et l'électrique va être bien contre le bouclier du boss. Ouais, c'est pour... Voilà. Ça va me permettre d'avoir... Et puis de pouvoir dépenser les 100 de munitions rapidement. Elle fait quoi, comme... Ah oui, non, mais dévoreuse d'étoiles, il faut pas que je la lâche, parce qu'elle fait plus 50% de dégâts contre les élites et les boss. Ça peut être pas mal. Et plus 50% de dégâts chargeur, contre les ennemis sous effet brûlure. Mon dieu, capacité du chargeur plus 100%, et en plus je suis à 725 de munitions en verte. Ah oui. Lol.
Vitesse de rechargement, 50% de cadence de tir pendant 5 secondes, on va tuer un ennemi. Ah oui, ouais, aussi. Je suis tout le temps fou, c'est marrant. Mon sniper, après avoir attendu une seconde en visant, taux de critique du prochain tir, plus 200%. Lol. Allez, c'est parti, The Boss. Bonjour. Oups, oula, dans le micro. Zog Zog. Alors, les dégâts collatéraux, je pense que moi, je vais les utiliser contre le... les petits merdeux. Ah oui, ce qui est bien, c'est que je peux pas esquiver, moi. Si, si. Si, si. T'as une esquive, Tom, comme tout le monde. J'ai pris deux coups, hein. Bon, s'occuper des petits merdeux le plus vite possible. Je crois qu'il m'en veut, je sais pas pourquoi. Je vais mourir, je pouvais plus, j'étais coincé contre le bord. Donc celui qui a pas le focus sur le boss, faut qu'il vienne me ressusciter. C'est moi qui ai le focus. J'arrive, mais il est à côté de toi, c'est ouais, ouais, mais te reste, c'est bon, vite. Oh merde, le putain de poteau. Il reste plus beaucoup, merci. C'est bon, il s'est barré. Ok, super. Oh, l'esquive qui veut pas, sérieux. Ah, mais c'est vrai que j'ai l'immunité en changeant d'arme. Attention. Non. Bleh. Oh, j'ai eu de la chance. T'as été en focus. Quand il fait le truc de... truc à distance, moi, je peux pas l'esquiver. Est-ce que j'esquive pas assez loin? C'est moi qui ai pris. Vas-y, ressuscite. Mon Dieu, le ressuscitage en boucle. Alors. Aïe. Ah. Oh, il est déjà revenu. Par contre, moi, j'ai pas de ressuscitation. C'est gros, fais chier. J'arrive. Bah, c'est pas qui me... non. Bon, je peux me ressusciter, mais... Eh, moi, faudrait me ressusciter. Il remonte. Non, il remonte pas. J'ai crevé. Bon, ben, ressuscitation de... Non, c'est bon. Day after revival. Bien fait de l'avoir regardé. C'est vrai que j'ai ça, moi. Oh, mais sérieux ? Il me visait pas et d'un seul coup il me vise. J'essaie d'arriver mais je suis lent. Ouh, yeah. Non mais putain, je suis pas dedans, c'est dégueulasse. Ah mais j'arrive pas à esquiver là, c'est une horreur. Ah bah moi je peux pas. J'esquive et en fait il pré-shot qu'on esquive, du coup je me fais niquer. Ah bah je suis attention. J'ai pas assez de PV, c'est infâme. Bah c'est ça le problème en fait au début. Là je prends un coup, je suis mort en fait. C'est vraiment le pire truc. Et il change d'aggro. Ah mais non! J'étais derrière le poteau, il m'a tiré à travers. Ouais bah il m'a fait la même. Tu vois ça va, j'arrive pas à l'esquiver, je sais pas comment vous faites. Hein. Si en fait, mais là c'est spécial parce que j'ai changé d'arme au moment où il m'a tiré dessus. Ouais mais t'étais pas dedans. En fait, faut appréhender. Dès que tu vois la zone au sol, tu esquives. Ouais, mais là, j'arriverai jamais à l'avoir tout seul. Là, c'est loin. Non, là... là, on a passé toute la première phase à... Essayer de se ressusciter, donc c'est pas la peine. À se res les uns les autres. Il lui reste 200 000 points de vie, je lui fais largement pas assez de dégâts.
Bah, mais c'est j'avoue grave, que je faisais 0 damage, mais par contre, j'arrivais à virer les mobs assez vite quand même. Avec mon lance-roquette. Mais là, au bout d'un moment, non, je peux pas là. Voilà. J'ai changé d'arme, mais ça a pas marché le truc d'immunité. Bon, je vais pas me ressusciter, ça sert à rien. Non. Tu peux. Normalement, je crois que tu. Ah oui, je pouvais faire escape, oui, pardon. Ça fait quoi? Ça fait 50 minutes. Je vais couper, oui, comme ça je relance une VOD. Voilà. Ah, plus 20 PV, plus 20 armure. Allez. Alors, je vais prendre PV max plus 30, là, c'est bien ça. Son pouvoir de niveau 10. Ça va aider. Ok. Allez, fin de cette première VOD.